Voici l'histoire d'un garçon qui s'appelle Maurice. Il habite à Québec, au Canada. Un jour, Maurice décide d'aller voir son ami Pierre. Il habite très très loin, à Paris, en France. Il ne sait pas comment il peut y aller. Il pense à son problème. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il habite très très loin à Paris. Ah, je sais à Pierre. Oui, c'est vrai. Mary, marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un auto. C'est un policier. Mary traverse la rue et dit: Bonjour, policier. Je m'appelle Marie. Bonjour, Maurice. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il habite très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux aller peut-être? D'accord, Marie. Viens avec moi. Marie monte dans l'auto avec la policière. Après quelques minutes, l'auto s'arrête. Il ne marche pas. Oh, je suis désolée, Marie, mais l'auto ne marche pas. Vraiment? C'est dommage, mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Maurice marche et marche encore. Tout à coup, il voit qu'il conduit un train. C'est un conducteur. Maurice dit: Bonjour, conducteur. Je m'appelle Maurice. Bonjour, Maurice. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il habite très, très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux aller voir un train avec vous? D'accord, Maurice. Viens avec moi. Marie monte dans le train avec le conducteur. Après quelques minutes, le train s'arrête. Il ne marche pas. Oh, je suis désolée, Maurice, mais le train ne marche pas. Vraiment? C'est dommage, mais merci quand même. Alors, est-ce que je fais maintenant? Mary marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un bateau. C'est un capitaine. Mary dit: Bonjour, capitaine. Je m'appelle Maurice. Bonjour, Maurice. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il est très, très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux prendre un bateau avec vous? D'accord, Mary. Viens avec moi. Elle monte dans le bateau avec le capitaine. Après quelques minutes, le bateau s'arrête. Il ne marche pas. Désolé, Maurice. Le bateau ne marche pas. Vraiment? C'est dommage, mais merci quand même. Alors, est-ce que je peux maintenant? C'est dans l'eau et neige et neige. Tout à coup, en haut, il voit quelque chose qui vole. C'est un extraterrestre qui conduit une soucoupe volante. Maurice dit: Bonjour, extraterrestre. L'extraterrestre n'entend pas. Alors, Mary crie: Bonjour, extraterrestre. L'extraterrestre descend sur la Terre. Bonjour, extraterrestre. Je m'appelle Maurice. Bonjour, Maurice. Je m'appelle Jojo. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il est très, très loin et je suis très fatigué. Alors, est-ce que je peux y aller en soucoupe volante avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Merci, Zozo. Je suis tellement contente d'être ici. De rien, Mary. Au revoir. Wow.
Marie va à la maison de Pierre et frappe à la porte. Elle parle avec sa mère. Bonjour, je veux voir mon ami Pierre. Où est Pierre? Je suis désolé, Marie. Pierre est parti te voir à Québec en avion. Oh non! Qu'est-ce que tu fais maintenant?